I have become a fool. You forced it on me. I ought to have been recommended by you, since I am in no way inferior to the super apostles, even though I am nothing. The spirits, the signs of an apostle were performed among you in all endurance, not only signs, but also wonders and miracles. So in what way were you treated worse than the other churches, except that I am personally did not burden you? Forgive me this wrong. Look, I am ready to come to you this third time. I will not burden you, for I am not seeking what is yours, but you. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. I will most gladly spend and be spent for you. If I love you more, am I to be loved less? Now granted, I have not burdened you, yet sly as I am, I took you in my and by deceit. Did I take advantage of you by anyone I sent you? I urged Titus to come, and I sent the brothers with him. Did Titus take advantage of you? Didn't we walk in the same spirit and in the same footsteps? You have thought all along that we were defending ourselves to you. No, in the sight of God, we are speaking in Christ, and everything, dear friends, is my building up, building you up. For I feel that perhaps when I come, I will not find you to be what I want, and I may not be found by you to be what you want. There may be quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, slander, gossip, arrogance, and disorder. I fear that when I come, my God will again humiliate me in your presence, and I will grieve for many who sinned before and have not repented of the uncleanness, sexual immorality, and promiscuity they practiced. Amen. So now I want to jump into a prayer, but before I jump into the prayer, today we're going to be praying for a number of people who are sick. As you spend time in worship and prayer today, pray for my sisters, Monica and Lisa, my little niece, Lovey. She's sick and she's in the hospital right now, and they have her like on tubes and stuff. So I just pray that God heals her from this sickness. We're praying for all of you here in the church who are sick. We're praying for a man named Patrick. He's in New York for his family and Unity. Prayer for Elijah in New Zealand, who asked us to pray for a miracle in his family. We also pray for peace of God for Brother Adam. We're praying for my brother and my nephew, Isaiah and Elijah. And we're praying for the members of Walk by Faith International Missionary Church here or elsewhere. And we pray for divine power to flow over the church and all her ministries. Amen. So if y'all could just join me in prayer. Dear Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus, God. We just thank you, God, for this day that you have blessed us with, Father God. Thank you for bringing us here safely, Father God, and for us to be able to have an open mind, open heart to hear what you have for us, Father God. I just pray that anybody that is sick inside the church or outside the church, Father God, or anybody around the world that is sick, Father God, that you bring healing to us, Father God, that you bring healing and that you bring family to those people, and that you are there within those people, God, so they could see Jesus in them, Father God, and as they bring comfort to these people who are dealing with these sicknesses, Father God. In Jesus' name we pray this morning. Amen. Can I ask the church this morning to join me in standing? My shame is undone.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. After stain and sin of the sweetest of love, when my heart becomes sweet and my shame is undone, your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, it's what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence this morning. Let's sing together. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, Lord, it's what our hearts long for. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Lord, you are good. Thank you. Glory to you, God. You deserve all the praise. You deserve all the glory. I wanna hear voices
of angels above, singing as one, hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. I wanna be near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna see dry bones living again, singing as one, hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am, the great I am, the great I am. He's a great I am. The great I am. The mountains shake before him. The demons run and flee. At the mention of the name, King of Majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power of the presence of the great I am, the great I am, the great I am, the great I am. At the mention of the name King of Majesty, there is no power in hell or anyone who can stand before the power in the presence of the great I am. Oh, hallelujah. Glory to you, God. You deserve all the praise. Glory to you, God. Hallelujah. Abundance flow, blessed be your name.
Blessed be your name. Blessed be your name on the world marked with suffering, where the pain and the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes, béni soit non vous, la peine c'est seulement j'ai moi, les marchés savent désolé, béni soit non. Chaque bénédiction vous vide, ma tournée dans louange, et les fêtes nous enveloppent, Seigneur, toujours ma béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos Jésus, béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos merveilleux, béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos Jésus, béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos Jésus, béni soit nos Seigneur puissant, béni soit nos merveilleux. Alléluia. Béni soit nos les rivières nous courent fret et fort. Alléluia. Les jardins, ben nous bon manger, béni soit nos roues. Les lapins, c'est seul manger, nous, Seigneur, béni soit nos roues. Les nous entrer dans le savon, désolé, béni soit nos roues. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alors, Seigneur. Merci, Seigneur.
Toute gloire c'est pour vous, bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors grand Seigneur. Oh, merveilleux. Alors grand. Pas gain tant que bon Dieu. Oh alléluia. Ou sans pareil. Alléluia. Alléluia. Puissant Seigneur nous régner. Alléluia. Alléluia. Dieu puissant Seigneur nous régner. Alléluia. Almighty reigns. Hallelujah. Was slain for us. Worthy. Yes. Hallelujah. There is no one like you, God, because you are worthy. You are worthy, worthy of all praise. You deserve all the glory.
We thank you, God. We bless your name. Glory to you. Hallelujah. 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 Praise God. Amen. Amen. So now we're going to take the time to just welcome everybody. So everybody that is here in the church, we just thank you for being here. Everybody looks beautiful this Sunday morning. Amen. And everybody that is also online, thank you for tuning in and enjoying the praise and worship that we had for you today. We just hope that we encourage you to stay where you're at, because we also have a sermon that's going to be coming up. So let's go ahead and let's take a few minutes just to say hi to one another. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you do for us. Thank you for everything that you've already done for us, and for everything that you plan on doing for us. So we thank you for all those provision, for everything from what you've done yesterday, today, and tomorrow. And we thank you for that. So we're going to transition very quick with the Lord's Supper service. N'a pas fait transition bien vite là, nous allons faire communion. Et puis tout m'a fait dans deux langues, en anglais et en créole. So the Lord's Supper service will conduct it, and I will sometimes during the service ask Brother Junior to help me pass the cups to the congregation here. For those of you watching over the internet all over the universe, I will invite you to just pause wherever you are as we go through this service. I know you cannot physically do it, but there is a way you can do it in spirit. So spiritually you can do it, and you just have to follow with us the Bible verses that we're gonna be reading, and then that those Bible verses will give you the ingredients, will give you all the that you need. So for nous même cap garder nous dans internet kounia cap garder nous sur plusieurs plateformes que nous utiliser nous pour faire service communion. D'amandez-vous pour disposer, juste participer spirituellement dans ce service-là. On n'a pas participer physiquement avec nous, mais spirituellement, on peut participer dans le verset biblique, ça, que bon Dieu, que Jésus-Christ lui-même était déjà partagé avec nous. Et c'est ça qui est plus important qu'on a fait dans ce moment-là. Quitter verset biblique, ça, entrer dans la vie, pour qui ça. Verset biblique ça yo même yo dit pour nous même qui là qui comprendre ça tout verset biblique ça yo que nous pral li là yo c'est ça qui clé tout ça n'a fait yo dit c'est ça qui a kembé nous c'est pas vraiment un service physique là qu'on a fait mais c'est toute en provision ça yo que bon Dieu lui-même il était déjà ba nous qui pral aider nous comprendre ça n'a fait puis bien so verset biblique yo gagne une grande importance.
So I will read Matthew 26, verse 26 and 28. Jesus institutes the Lord's Supper. It says, as they were eating, Jesus took bread, blessed, and broke it, gave it to the disciples, and said, take and eat this. This is my body. Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them and said, drink it, all of you, for this is my blood that establishes a covenant, and it is shed for many for the forgiveness of sin. And I plead Matthew 26, verse 26 à 20. Hallelujah. So now plead Matthew 26, verse 26 à 28. En temps yo tap manje, Jésus prend pain, li dit, bon Dieu, merci, li kasil. Hallelujah. Okay, I'm sorry for this. So I'm going to read again Matthew 26 in Haitian Creole. Map reli encore Matthieu 26 nan langue haïtien, créole haïtien. En temps yo tap manger, Jésus prend pain, li dit bon Dieu merci, li kasel, li bay disciples yo, li dit prends, mange. Ça c'est comme moi. Après ça, li prend un goût de divin. Li dit bon Dieu merci, li passe le bayo, li dit c'est pour nous toutes. Nous boit là-dedans li. Dans verset 28 là, il dit parce que ça c'est sans moi, sans qui signe un contrat bon Dieu fait, sans qui couler pour un pile monde joindre pardon péché yo. Amen. Now we're going to read 1 Corinthians 11 verse 23-28. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus Christ, the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup, the new covenant in my blood, do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So, kounya nou pral li 1 Corinthiens 11, verset 23 à 1 Corinthiens 11, verset 23 à 28. On regarde ça, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 28, dit, dans la cérémonie, ça n'a fait qu'on y est là, en cérémonie de communion à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 23-28. Dans verset 23, nous lit. Parce que, mais ça Seigneur a été fait qu'on est. Ça c'est ça même moi t'ai montré nous tout. Jour la nuit yo t'ai trahi là. Seigneur Jésus-Christ t'ai prend pain. L'elle fin dit bon Dieu merci, il cassel et puis il dit ça c'est comme c'est pour nous lier. C'est pour nous faire ça pour nous ca songer moins. Dans verset 25, comme ça tout après yo fin manger, il prend go de divin, il dit yo Godé ça, c'est nouveau contrat bon Dieu fait avec nous dans sans moins. C'est pour nous faire ça chaque fois n'a boire la dans pour nous ca songer moins. Verset 26, c'est comme ça chaque fois n'a manger pain ça, chaque fois n'a boire dans godé ça, c'est la mort Christ là n'a annoncé jusqu'à ce qu'il retourne, jusqu'à ce que Seigneur a gen pou l vini. Amen, amen, amen. So the Lord's Supper today. So the Lord's Supper is about a communion with Jesus Christ.
is about a relationship with God. So communion ça n'a fait qu'on y a là. Ça n'a fait qu'on y a là. Ça y est le communion pour chrétien yo. C'est une relation n'a établi une autre fois encore avec bon Dieu. Relation ça qui était capable déjà déconnecté dans la semaine qui s'est passée là. Relation ça qui était qu'à déconnecter pendant nous chita là parce qu'on a songé à une série de bagages qui est capable bouleverser l'esprit nous. Mais c'est une relation que bon Dieu, que Jésus-Christ invite nous chaque fois nous gain possibilité pour nous faire relation ça, pour nous faire la veille. Chaque fois nous gain possibilité pour nous faire relation ça, pour nous prendre, pour nous participer dans la cérémonie ça, nous devons faire. Mais c'est pour bagaille nous devons faire en vain parce que dans verset a déjà dit nous chaque temps nous fait ça nous songer que Jésus-Christ lui-même était mort sur la croix pour nous-mêmes chaque fois nous fait ça communion ça que n'a cherché établi avec bon Dieu les nous te bali la vie nous hein, c'est une connexion qui vient parfait. So, si nous avons possibilité pour nous faire ça puis gagne quitter aucun bagaille dans la vie nous empêcher nous faire ça. So this is today what we're doing is a Lord's Supper service, which is establishing a relationship with the Lord, establishing a relationship with God. Every time you have the opportunity to partake in this service, you have to examine yourself and then partake in this service. Because this service, you can imagine that throughout the week, you've probably been disconnected with God. Throughout the week, there's something that happened in your life that disconnecting you with either serving God or with having your heart closer to God. But this today is giving you the opportunity to renew your heart by examining yourself. And by examining yourself, you ask God to return to you, to come back to you. Or you ask yourself to go to God. So to establish that relation that you feel like was disconnecting, or to establish that connection that you want for your life, or to establish that connection that when you accept Jesus Christ as your Savior, that is that connection that is that renew everything that you are, that is giving you the new life. So every time that you have this opportunity to partake, I will invite you to partake. I will invite you to be part of it. I will invite you to examine yourself as the Apostle Paul asking us to do. Examine ourselves every time we do that. Examining ourselves doesn't mean that you need to refrain from doing it. Examining yourself is to tell yourself that, okay, my heart is not where I want to be. My heart is shifting away from God. My heart is drifting away from the glory of God. So I want my heart to be back to where I want it to be. That's examining yourself. Examining yourself, you take the positive, you take the negative, you take everything, and then you put God in it. There's no such examination of yourself without putting God in the midst. You cannot examine yourself by pulling whatever the devil is putting in inside you or in front of you for you to examine yourself. Examine yourself by pulling God first in that examination. And I invite you to partake in this service today. Invitez-nous pour nous participer dans ce service aujourd'hui après nous fin tendez samedi et après nous fin examiner tête nous. Let us pray. And we pray. God Almighty, we come to you in the name of Jesus Christ. We're asking that you enter our hearts, you enter our emotion, you enter ourselves, you enter the relationship that we need to establish with you, that we seek long time ago to establish with you, that we still trying to establish with you today. And we ask that anything that trying to counter that relationship, anything that blocking that relationship, we rebuking that the power of Satan, anything that stopping that relationship, we declare victory over that in the name of Jesus Christ. Amen. Oh bon Dieu, nous prions matin. Nous prions d'esco permettre nous examiner tête nous, examiner tout corps nous, examiner toute pensée nous,
pendant que nous besoin faire relation ça avec vous, relation que nous longtemps à chercher, relation que nous besoin dans la vie nous, relation que qui a fait nous capable la gloire dans la vie nous chaque temps. Et nous disons merci de ce qu'on a nos possibilités ce matin pour nous participer dans le service communion ça. Et dans le moment ça, Seigneur, nous demandons pour retirer tout esprit malin, tout esprit Satan, tout esprit démonique qui a empêché nous participer dans le service ce matin. Nous devons participer dans le service ça parce que nous examinons tête nous, nous mettons dans la vie nous, nous tapons examiner tête nous. Pas grand rien, Seigneur, qui est capable d'empêcher nous faire relation ça avec nous. Faire relation ça avec où? Parce que relation à ça avec où? C'est ça qui fait nous te tourner la vie nous. Nous te retirer qu'on nous à Satan et nous voyer la vie nous à nous-mêmes. Et laisse Satan venir pour le battre pour lui retirer relation ça. Nous demandons pour nous force pour nous craser esprit Satan. Nous demandons pour nous force pour nous craser tout esprit qui a venu, qui a fait nous penser que nous pas bon, nous pas gain aucun sentiment, nous pas gain aucun la vie dans nous-mêmes pour nous établir relation ça avec vous. Mais dans moment ça Seigneur, n'a dit que nous gagner relation ça avec vous, que nous prend relation ça avec vous et nous déclarer relation ça avec vous, pas gain aucun bagaille dans le monde, pas gain aucun idée, pas gain aucun pensée satanique qui est capable de retirer relation ça. Et nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Right now, I ask Brother Junior to ask me pass the cups. Whether you partake, I will pray for you. Whether you do not partake, I will pray for you. Kounia, m'a demandé Frère Junior pour l'aider me passer godé ça, ti cup ça yo pour nous participer. Même là nous participer, m'a prié pour nous. Même là nous pas participer, m'a prié pour nous. Parce que nous servi un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui fort et un bon Dieu qui toujours là avec nous. M'a prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So kunya nuka uveli, you guys can peel it. To free the bread and free the juice. So nous avons ouvert pour nous libérer Juya avec libérer Tipin. On nous fait ça. OK. The Lord's Supper on the night, the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus Christ on the night he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Jésus-Christ nan a souhait côté qui yo te trahi là, il te prend pain et il te dit bon Dieu merci pour pain ça, il te cassé pain, il te dit pain ça c'est la vie moi, c'est corps moi. C'est pour ou lié. Et chaque fois ou fait li l'op songem. I would like to remind you that the body of Jesus Christ became an offering for sin. For we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. Jesus said, "Do this in remembrance of me." Let us eat together. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunge beneath that flood, lost the guilty stand. Lose all the guilty stand. Lose
guilty stain, and sinners plunged beneath that flood, lose all the guilty stain. Amen, hallelujah. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink in remembrance of me." Même côté à tout, Jésus-Christ te prend cup là et Godéa li te dit, Godé, ça c'est un nouveau contrat que nous signons avec moi. C'est sans moi. Fais ça. Chaque temps nous fais ça, n'a pas songé moi. So let us remind ourselves that this cup represents the blood of Jesus Christ. Jesus said, "Take and drink in remembrance of me." Let us drink together. Gayon sous tuple yaksan cessant de Jésus-Christ. Péché qui baigne la donne, sorti sans tache pure, sorti sans tache pure, sorti sans tache pure. Péché qui baigne la donne, sorti sans tache pure, volé à qui t'a fait mourir, l'été réjouit joue ça. Et non, moi qui coupable qu'on lit, je ne pardonne sous cela. Je ne pardonne sous cela. Je ne pardonne sous cela. Et non, moi qui. Et non, moi qui coupable qu'on lit, je ne pardonne sous cela. Oh, alléluia. Oh, Lord Almighty. Oh, God. We come to you in the name of Jesus Christ. We thank you for allowing us to remember you this morning during this service. We remember the pain, we remember the trials, the tribulations, we remember the suffering that you took for us, and you gave your blood for our sins, and we thank you for that. We thank you for allowing us to examine ourselves this morning and partake in this service. We thank you, O Lord Almighty, for not abandoning that request that you sent forth to us this morning, that we participate in this service after you asked us to do so. And we thank you for that. We thank you for giving us the strength and courage to do so this morning. Bon Dieu, nous disons merci d'esco te permettre nous participer dans service. D'esco nous ou permettre nous ouvrir ou ouvrir les yeux nous pour nous voir que sang a coulé sur la croix pour nous-mêmes. Ou fait nous voir que gagnons en pile tracas, gagnons en pile tracas et tribulations, gagnons en pile souffrances que vous arrivez passer pour être péché nous. Et maintenant là, nous renouveler connexion ça avec. Nous disons merci de ce que vous permettez nous voir ça. Merci parce que vous permettez nous examiner tête nous avec demande ça, avec invitation ça à côté fait. Que vous demandez nous pour nous examiner tête nous et vous permettez nous bas nous courage pour nous examiner tête nous, quel que soit péché qui dans tête nous, quel que soit problème qui dans cœur nous, quel que soit bagaille qui dans nous mêmes, ou permettez nous examiner tête nous et nous participer dans service ça. Ou bas nous courage pour nous faire ça. Et pour ça au Seigneur qui pas de courage pour examiner tête yo,
pour yo wè péché que yo gagne, pour yo wè comment cœur yo noir, pour yo wè problème que yo gagne et pour yo invite au vinn là-dedans yo, là-dedans cœur li, cœur yo. Pour même pour capable changer cœur yo. Et oh God Almighty, bon Dieu, m'a mandé pour continuer travailler avec moun sa yo. Pour yo capable wè cœur yo. Pour yo capable wè que yo même yo pas ka changer cœur yo. Parce que c'est au même seulement qui ka changer cœur. Pour yo capable wè quel que soit l'idée qu'a traversé dans l'esprit yo, pas ka changer cœur yo, Jean cœur yo hier. C'est au même seulement qui ka changer cœur yo. C'est au même seulement qui gen courage qui ka ban nou. C'est au même seulement qui gen grâce qui ka ban nou. Pas que aucun l'autre bagay que nous ka fè nous-mêmes, qui examiner tête nous pour nous wè qui côté nous yé et examiner tête nous pour nous inviter au vin dans la vie nous. Si nous pas ka fè ça, nous pas gen courage. Et n'a mandé pour ban nou courage pour nous capable faire ça chaque fois que nous gagnons possibilité pour nous participer dans service ça pour nous faire et chaque fois que nous pas participer là-dedans faut nous gagner conscience pour nous ouais nous te gagner possibilité pour nous faire ça et le nous pas faire ça nous retirer qu'on nous prêt ou nous mettre qu'on nous plus loin ou et bon Dieu nous mando courage nous mando pour ban nou courage nous mando pour nous ban nou courage nous mande ou pour ban nou courage pour nous pas quitter ça qui a passé dans tête nous craser l'esprit nous pour nous pas quitter ça qui a traversé l'esprit nous déconnecter avec vous mande connexion ça pour kounia et pour tout temps nous prions au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit amen amen amen. So this is the end of this service. We're going to transition to other things. And there's so many things that will still happen during this service today. We have a lot of people that we need to pray for. And we will continue to pray for them throughout this service. As you hear or as you watching over the internet, I ask that you dispose your heart so that you can get strength and courage so we can comfort all these people that are asking for prayers. Service a continué toujours. On continue avec service là et on demande tout monde qui là cap suivre pour nous continuer disposer cœur nous pour nous demander bon Dieu pour mon Dieu ban nous confort pour nous capable venir nous confort pour l'autre monde parce que gen pile monde matin qui mandé pour la prière. Gen moun ki l'hôpital, gen moun ki nan situation difficile, gen moun ki perdi souf yè swa, ki manke mouri, tout moun sa yo. Yo dwe sou kèr nou kounya pou nou ka priye pou yo pendan nou nan servis sa. E fò nou pozisyone kon nou nan mouman kote ke, nan situation kote ke nou mèm nou kapab resevwa graz bon Dieu et nou mèm pou nou kapab pataje graz sa avèk lot moun sa yo ki an bezwen yo. E nou priye yo bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. This is the part of the service where we're going to worship God through our giving, just like we worship through singing and serving. We worship through giving. So we're going to pass the plate in a few minutes. I'm going to encourage you to participate if you would like. Who's going to be helping us out today? You? All right, come on, man. We thank you for assisting Walk by Faith Ministry to carry on our missions by your generous contributions. In 2 Corinthians chapter 9, verses 6 through 7, it says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Thank you.
Seigneur Jésus, nous disons merci, papa, pour offrande ça que au bon nom dans moment ça. Nous demandons capable bénir offrande ça pour nous, Seigneur Dieu. Que nous capable gain sagesse, Seigneur Dieu, pour nous capable utiliser pour servir tout seulement. Seigneur, nous prions au nom de Jésus petit tout qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. So, I'm gonna give it another try to see if it's not gonna falter. So, but I need a backup microphone just in case. Oh, there's one right here. Just in case the same thing happens. So, we thank God for being here today, all of us. All of us who are here, we're not many, but we're here for a reason. It's something that it's always in my heart that we say there is a reason for everything. Yes, there is a reason, because if there is no reason, there is no purpose. If there is no purpose, there is no will. So if you look at you're not many here today, you only a handful, and it's a lot of you watching over the internet, many of you, it might be a handful as well, but there is a reason that you're there. You could be somewhere else. You could be in hospital bed, or you could be doing something that your heart is not happy that you're doing. But if you hear, you're listening to this message, I encourage you to let this message peace your heart, and that message make a difference in your life. So si nous là, c'est parce que gagné une raison. Et dans toute bagarre, il toujours elle gagne une raison, gagné une l'autre raison pour faire ça. Et elle gagne une autre raison où est que gagné gloire bon Dieu la donné. Parce que pas aucun bagarre en tant que chrétien nous fait qu'on pas pour bon Dieu la donné. Sous ces chrétiens tout bon vrai. Soit vivre selon ça Jésus-Christ m'a demandé nous pour nous vivre. Soit vivre avec la foi. Ou apoué tout ça qui arrive dans la vie, tout ça fait dans la vie, ou apoué ce travail bon Dieu qui a manifesté. Et nous connaissons la Bible déjà dit nous, qu'il y a une série de situations que nous avons traversées dans la vie. Ce n'est pas mauvaise situation mauvais pour nous, mais c'est un caractère que bon Dieu a fait nous, qui travaille un caractère dans la vie. Donc, so, si vous avez maladie, si vous avez souffrance, si vous avez la peine, si vous avez tribulation, si vous avez une série de bagages qui vous demandent qui côté bagages ça ressorti, et bien, si vous avez force avec courage pour continuer à marcher, et bien, vous avez la gloire de bon Dieu là-dedans. So connait ça fait longtemps depuis nous commencer à lire apôtre Paul. N'a pas lu apôtre Paul ça gain presque un an. So nous gagne 10 mois depuis n'a lu, n'a étudié apôtre Paul. Nous commencer apôtre Paul depuis dans mois octobre, mais qu'on y a nous en août. So nous gagne en pile temps là depuis n'a fait ça. Et n'a continuer avec apôtre Paul pour être en pile raison. Parce que sou konnen sou gen chance pour lire la Bible, wap wè ki moun apôtre Paul teye. Wap wè ki trahi, ki tribulation, ki tout bagay que apôtre Paul lui-même li passé dans ministère li comme chrétien. Et ou capable même rive réaliser côté apôtre Paul lèl te fait commencer. Comment Jésus-Christ lui-même c'est avec un coup d'éclair que Jésus-Christ te prend apôtre Paul dans mitan la rue. Dans mitan la rue, les apôtres Paul t'a pral faire complot pour lui persécuter chrétien pirade, et bien c'est dans moment ça Jésus-Christ
attaqué apôtre Paul dans mi-temps la rue côté il dit apôtre Paul pour qui ça persécuter moi comme ça pour qui ça persécuter pète moi comme ça et depuis là ça apôtre Paul living apôtre Paul il était Saul qu'on y a changé le vini apôtre Paul et ou capable dans Nouveau Testament c'est apôtre Paul qui écrit plus pour bon Dieu. C'est apôtre Paul qui c'est youn qui dans leader évangélique qui voyait évangélisation en monté pirède. Et les apôtres laisse arriver à apôtre Paul, c'est pas un bagage qui facile. C'est avec un pile coup de bâton, c'est avec un pile emprisonnement. C'est avec un pile parler en pile sous la ville. C'est avec un pile Judas qui a fait sous lui. C'est pour bagaille facile lié pour apôtre Paul. Si nous lis la Bible, nous connaît apôtre Paul, n'a pour tout bagaille ça honnête. So today we continuing with the second episode of Corinthians. So we've been studying the apostle Paul for a long time. And this is what God put in our heart to study. We've been studying him for about a year now. It's been 10 months. You know, we start with Romans. Now we transition with 1 Corinthians and 2 Corinthians. And with 2 Corinthians, we've been in there for about 3 months. And we are in chapter 12 and chapter 13. And then after that, we're going to transition to another episode, the Galatian of the Apostle Paul. So we're going to stay studying the Apostle Paul for a long time. And then the other thing that I need to share with you is that we're not doing topical sermons. We'll just let the Bible lead us wherever we are at wherever God wants us to go. So if you look at the dynamic of this church, we could start by, you know, select specific topic and then start talking about it. We can pick a topic about the situation that's going on in this church today. We could pick topic and then talk about the situation of the church 1 year ago. Or we can continue doing that. And then that kind of like cheating. I pray God, because God gave us the word as we follow the Apostle Paul and everything that's going on in our lives, and we see the mirror. It's like we're looking at the Apostle Paul in the mirror, and then we say, man, everything that this guy happened to this guy, it's what's happening to us. Everything that he's talking about the church in Corinth, that he had to write 2 letters to them, that's what's happening in this church. So, wow, it's like a mirror. So we're looking at this mirror, and then we follow through. So, sou gade ki sa ka pase nan l'église sa, nou te ka arrêté, nou te ka ap chache yon topic, nou te ka ap chache yon sujet, et nou développer sujet. Mais nou pa fè ça. Nous juste quitté depuis n'a pas étudié Paul là jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à étudier Paul parce que là nous a regardé nous a étudié Paul, c'est comme si n'a regardé non glace, nous dit oh, à part ça qui a privé Paul là, c'est ça qui a privé nous dans ministère nous tout. À part ça qui a privé nous là dans l'église là, c'est ça qui est arrivé l'église corinthienne yo. À part ça qui a parlé là, c'est même bagaille qui a parlé là. So bon Dieu getan mette provision dans la vie nous. Si nous vivons avec la foi n'a pour ça m'a dit nous. Nous pas besoin à saccager qu'on en série de bagaille, nous pas besoin à inventer aucune bagaille, juste suivre sa Bible a dit et bon Dieu a ba nous message là dans Bible. So continuez vivre avec la foi. Continuez à vivre côté que nous connaît que gagner un espoir dans la vie nous. Continuer à vivre côté que nous connaissons que bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui sans pareil. So today we looking at 2 Corinthians 12. Last week we have a sermon on 2 Corinthians 11. And in that sermon we focused
on what God wanted us to do and to be and to say. And we focus, the center of that message was on verse 14. We invited you to make a clear distinction in this struggle, in this fight, in this run that we go into. And we invited you to take a stand for God. We invited you to visit John 10:10, where in John 10:10, we see that the devil come to steal, kill, and destroy. But the message was in the center of John 10:10, where we find out that the devil cannot come to kill, steal, and destroy, or the devil can come to kill, steal, and destroy, like the Bible said, but the devil cannot achieve that goal without pulling division. So that's what we learned about last week. So last week we learned about division. So the devil come forth and then bring division in anything that he does. And then when he bring division in everything that he does, he can achieve the stealing of your heart. He can achieve the killing of your will. He can achieve the destruction of everything that you are or everything that you possess. So division, I exhort you to stay away from that spirit of the devil, because this is the biggest weapon that the devil has. The biggest weapon that the devil has is division. I'm telling you, the biggest weapon that the devil has is division. And if the devil can put that weapon within your hand, you can kill your loved ones. You can kill your wife. You can kill your husband. You can kill your children. You can kill your parents. You can kill your friend. This is a powerful weapon that the devil can put within your hands. So don't let that weapon be within your hands, the weapon of division that the devil is using. The devil using that weapon, and they give it to you, you need to have the weapons of righteousness. A weapon of God, a weapon of glory that you can defeat the devil. So, semaine passée, nous t'es venu avec une prêche dans 2 Corinthiens 11 et dans centre prêche ça. Nous t'es venu avec message là dans 2 Corinthiens 11, verset 14. C'est dans verset 14 que nous t'es joué un message là. Et nous t'es invité tout pour te faire une différence. Pour garder qui koto campé dans la bataille ça. Qui koto yé dans un cours ça qu'on va faire. Est-ce qu'on va travailler avec Satan ou bien est-ce qu'on va travailler avec bon Dieu? Parce que m'te expliqué nous dans situation ça dans cours ça que nous y là, pas gon milieu là-dedans. C'est ou bien avec Satan ou bien avec bon Dieu. C'est et puis tout m'te invité nous, m'te encourager nous pour nous rester avec bon Dieu, quel que soit Jean situation. Et m'te dit nous pour nous te visiter, pour nous te lire Jean 10 verset 10 qui dit nous que Satan lui-même li vini pour voler, li vini pour détruire et li vini pour steal, kill and destroy, li vini pour tuer. So Satan vini pour voler, pour li tuer et puis pour li détruire. Lèli vini pou li tuer, voler, détruire, li pa ka réaliser ça s'il pa utilise yon seul bagay. Genye yon seul bagay ke Satan capable utiliser pou li même capable rive jwenn succès nan sa lap chache a côté ke li besoin voler, li besoin tuer, li besoin détruire. So si Satan pa rive diviser nous, si Satan pa rive mette division dans nous-mêmes, il n'y a pas jamais arrivé réaliser trois bagages ça. So Jésus-Christ dit nous faites attention parce que les Satan a venu pour lui voler, pour lui détruire et pour lui tuer. Et moi dis nous,
Satan pa ka réaliser ça si Satan pa vini, si Satan pa mette division parmi nous. Et nous voyons son bagage que Satan rive réaliser avec un pile succès. Division c'est gros bagage. C'est gros bagage Satan utilisé et là Satan utilisé lui. Regardez ça Satan qu'a fait. Satan vraiment voué, Satan qu'a tué, Satan qu'a volé et Satan qu'a détruit. So pas quitter, c'est ça m'était invité nous pour nous faire dans semaine passée, pas quitter Satan, mettez âme division dans nous-mêmes. Parce que âme division laisse Satan mettez lui dans main nous. Pas que moun nou pa ka tuer avec zam sa. Son zam ki vraiment puissant. Son zam ki gen en pile force. C'est un zam ki koué yon ti missile. Côté l'el rivon côté, li dépati a tout bagay ki la. So si par exemple Satan ta entre non famille, li mette division la dani, li ka tuer madame, li ka tuer petite, li ka tuer maman, li ka tuer papa, li ka tuer frère, li ka tuer cousin, li ka tuer ami, li ka tuer tout bagay avec zam sa ke genye. Ma parle nou de zam division. So pi ga nou kite Satan utilise zam division dans la vie nou. Et son bagay ki bien, ki facile pour nous pas quitter Satan utiliser zam division dans la vie nous. Seul bagay pour nous faire, nous devons vivre avec la foi parce que nous connaît Jésus-Christ gagné righteousness, zam droiture, zam pour marcher droite. C'est zam ça pour nous mettre dans main nous. Les Satan vini avec zam division dans sa lap di, dans sa lap mettre dans tête nous, dans penser qu'il a fait. Les Satan vini avec zam sa li vraiment détruit même nous même que la ba nous zam nan. Parce que si son bagage qui facile sou dans la guerre avec un zam ou gon zam nan mon et ben on pensait que zam sa capable servir ou même propre tête ou non li pa servir même zam sa li ka arrivé li yo utiliser pour yo tuyo tout. So faut faire attention pour pas quitter Satan utilise zam destruction. So this is what we talk about last week. It was on 2 Corinthians 11. Today we in 2 Corinthians 12. And I will ask God that within the last 15 minutes, I can share something with you very quick and then we can go. So I pray. God Almighty, we're not too many here, but we a lot. Because you say when two or three or more gather in your name, you're there. And as you hear God Almighty, as that you give us the words. If people hear, they can only listen to one word. May that one word be a weapon to help them make their lives better. The people that watching over the internet, if they're going to be there for like 1 minute, make that 1 minute, oh God Almighty, a minute of glory for them. A minute for them, for their heart, to be closer to your heart. Bon Dieu, maman do, si gen seul parole que n'a dit pendant n'a prêché là, Seigneur. Si gen seul parole que moun ki la yo capable tende, que son parole qui c'est une zam qui a permettre yo détruire tout ça qui pas bon dans la vie yo, mais son zam tout qui a permettre yo marcher selon so di, marcher selon volonté yo. Un seul mot seulement Seigneur pour yo tende. Yo pas besoin tende tout bagay m pral di. Un seul mot. Et un seul mot ça capable soulager. Un seul mot ça capable bailler force, bailler courage et bailler détermination pour avancer. Et nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So I will read 2 Corinthians, I will read from verse 7 to verse 10. And I invite you to open your Bibles and read with me. Moi lis 2 Corinthiens 12 verset 7 à verset 10. Et m'a invité nous pour nous ouvrir Bible nous. Ouvrir Bible nous pour nous lire avec moi. 2 Corinthians 12, verse 7 to 10. Even though I have received such wonderful revelation from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh and messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time he said,
My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why, in verse 10, I take pleasure in my weaknesses and in the insult, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Malgré ça, pour l'orgueil parfait gonflé avec qualité belle révélation, ça yo moins recevoir, yo bam yo qualité maladie nan kom kap fem souffri. Ou ta di you zange Satan voye maltraite m pour empêcher m gen l'orgueil. En trois fois, mon la prié Seigneur pour maladie ça, moi mandel pour le wetel nan moi. Chaque fois, li répond moi. C'est favem assez ou besoin. C'est favem moi assez ou besoin. Parce que là ou faible, c'est là ça mon ouais pouvoir moi nan ou. C'est peut-être ça. Nan fond kèm, moi plutôt parler sous faiblesse moi pour pouvoir Christ la ka mette m en bazel li. Verset 10 pour nous finir. C'est ça que fait tout. Moi content en pile, l'aime senti me faible. L'ai abjuré l'aime nan l'affliction, l'aime en bas persécution, l'aime nan difficulté, l'aime absibi tout ça à cause Christ là. Parce que l'aime faible, c'est laisse ça moi que force. Au Éternel les armées, nous mando pour ba nou message. Oh God Almighty, I ask that you give us a message to these people here and around the world today. So the Apostle Paul in the 2 Corinthians, it's the 2 Corinthians, it's all about the pain, all about the tribulations, it's all about the problems that the Apostle Paul been going through. So there's nowhere in 2 Corinthians that you see Paul talking about the goodness, if I may call it like that, that he's been going through. There's nowhere in this 2 Corinthians that we've been studying for the last 3 months that we see wisdom of men in there. Throughout the study in 2 Corinthians, we see Paul coming with a lot of trials and a lot of tribulations. We see Paul's coming begging. In these verses that we just read, he begged for mercy. He begged that Christ stop this spirit of boasting that in him. We see in the beginning of 2 Corinthians 12 how the Apostle Paul talking about all this comfort that he needs. That all this comfort that the church in Corinth need, all this comfort that only God can provide. We see all this stuff that the Apostle Paul been talking about. And I can tell you from a logical perspective, we can say, okay, if we've been working hard for God, if everything that we've been doing is for God, why have we been going through pain? Why have we been going through trials and tribulations? Why have we been going through problems? From a logical perspective now, I will say that if you've been doing everything good for God, in return, you're supposed to receive good things, right? So the prosperity preachers out there, that's exactly what they've been preaching. And Brother Junior, you know, in 2 Corinthians 10, he talks about that. He talks about how the prosperity preachers working for the devil, unfortunately, is telling you that, okay, if you do this for the Lord, you're going to receive a blessing. If you do
ministries, if you do everything, you're going to have a lot of people following you. And all these people are going to follow you and they will never talk bad about you. So the prosperity preachers are leading a lot of people astray. Because the prosperity preachers, they're not telling the people about the truth of the gospel. If you understand the truth of the gospel, you will see that it is the gospel that centering into the good news. And then what is the good news? The good news is that Jesus Christ came, gave his life for our redemption, for our sins, for us to become redeemed. But this is the good news. The good news is not telling us that if we do ministries, if we do anything that we do, if we are a good guitar player, if we are a good bass player, if we are a good preacher, or if we are a good minister of children, you're going to receive something good. If he says that, that's a lie. That's not true. Because Jesus Christ himself, the one that we are following, the one that is the God of our lives, Jesus Christ telling us that when you enter this fight, you have to carry the cross. And carrying the cross is like, this is the weapon that you have to carry every day. You carry the cross of Jesus Christ as a weapon that is telling you, okay, I've been through this gate of Jericho. I've been through this trial and these tribulations. I've been there. This is why I'm carrying that cross. So the devil cannot come to me with things that saying that, okay, this is who you are. This is what you've done. This is the direction that you go in. No, because faithfully, I'm already there. I already convicted. I already get overcome that. I already get Satan. I already rebuke Satan. So Satan cannot come to us with words in a way that telling us that carrying the burden, carrying all this stuff, carrying the gossip, carrying the lies, carrying everything, and for you to take it as a tribulations for your lives. So on a étudié Paul, et nous voyons tout ça dans 2 Corinthiens, nous voyons que Paul expliquait tout problème ni. Par contre, côté dans 2 Corinthiens que nous avons étudié depuis 3 mois qui sont passés là, côté que nous voyons, Paul a expliqué nous que la vie est douce. Et Paul lui-même prend exemple tête pâle pour lui expliquer ça. Il pas prend exemple l'autre monde non, il prend exemple tête pâle pour l'expliquer que côté que l'a suivre bon Dieu, l'a suivre Jésus-Christ et bien il y a pile bagaille qui a privé dans la vie. Ou Paul son monde qui dit il était dans mi-temps la mer, il gagne 3 fois côté que et comme s'il considérait tête comme un bateau qui t'a chaviré dans mi-temps la mer. Que 3 fois ça arrivé li. Li rivé li trouver colli dans mi-temps la mer, pas gè aucun bagaille qui ka porter le secours. Li rivé dans mi-temps la mer, li senti vague yo a poussé li 3 fois. So kounye a la Paul lui-même parce que lui-même li gagné bon Dieu dans lui-même li a suivre Jésus-Christ dent pour dent. Quel que soit tribulation, ça a arrivé dans la vie, côté que yo mettez en prison, côté que yo chassez li, côté que yo fait scandale sous li, côté que yo parlez le mal, côté que gen moun qui a mandé pour yo tuer li, côté que gen moun qui li rivé c'est couleuvre a piqué monsieur, couleuvre a comment on dit ça, a bat pour li frapper li, bat pour tuer li. Mais ouais, Paul lui-même, il mettait toute force, li, toute énergie, li, tout ça qu'il gagnait dans ça qu'il connaît. Et ça qu'il connaît, c'est que Jésus-Christ dit, nous devons porter croire.
Si nous avons servi Jésus-Christ tout bon vrai, nous devons porter quoi? Et là, nous avons servi Jésus-Christ tout bon vrai, nous porter quoi? Quoi? C'est plus gros âmes que nous devons gagner dans la vie. Nous. Là, nous porter quoi? Que Jésus-Christ déjà dit nous, hey, si nous voulons suivre moi, nous devons porter quoi? Et puis marcher jusqu'à ce que nous mourions. Donc là, nous porter quoi ça? Comme une âme qui nous amène. Pas grand rien Satan qui apparaît devant nous pour Satan décourager nous. Pas grand rien Satan qui apparaît porter devant nous pour Satan dire nous que nous pas bon. Pas grand rien Satan qui apparaît devant nous pour Satan dire nous oh nous fait ça ou bien nous pas fait ça. Pas grand rien Satan qui apparaît devant nous pour dire nous que nous ceci nous cela parce que nous étant qu'on croit devant nous déjà qu'on a porté. Et quoi ça? C'est quoi Jésus-Christ de Nazareth? Et c'est quoi ça qui c'est plus gros bataille que nous capables de gagner dans la vie? Nous. Et là, nous pouvons quoi ça? C'est une grosse âme que nous gagnons pour nous défier, pour nous dénier, pour nous gagner bataille sur n'importe quelle autre âme que Satan lui-même est capable de porter dans la vie. Nous. So, there are three things I'm going to talk to you about and then we're going to finish. It's about pain. So I want to tell you, studying Paul, we know that pain happens. Pain happens. Can any one of you tell me that you never have pain throughout your life? Anyone say that? If you cannot say that, you never receive pain. You never feel yourself in a painful situation. So that if you cannot say, hey, I'm pain-free. I live a pain-free life. If you can say that, good. If you cannot say that, that means you believe the Bible is true, that the Bible says that pain happens. Pain is part of life. Pain, it's something that it might help you to conquer, might help you to defeat the enemy. You go through your pain with character. You go through your pain with the resiliency that you need. Paul didn't get a pass from pain. Paul, who was serving God, he didn't get a pass. A pass. Actually, if you look at 2 Corinthians 11, verse 23-29, you see that Paul been going through multiple imprisonments. Paul went through beatings. Paul went through floggings. Paul went through cannons, life-threatening experience, riots, stoning, shipwrecks, a night and day floating in the open sea. Paul went through all of this. Paul was beating with an open fist. Paul was beating with rods. Paul was beating with words. So how about us today? Can we escape pain? Can we escape anything that Paul, the great apostle, been through? Can we escape imprisonments? Can we escape beatings? Can we escape flogging? Can we escape life-threatening experiences? Can we escape being stoned? Can we escape being in shipwrecks? Can we escape being beaten with open fist? Can we escape being beaten with rods? Can we escape being beaten with words? No, we cannot. And this is not what we're asking God to make us escape all this stuff that Paul been going through. But today we're asking God in our pain and in our suffering to give us the will, to give us the determination, and to give us the strength to move on. And God will do that. So je dis on a parlé de trois bagages. Premier bagage là c'est souffrance. Comment souffrance y est? Est-ce que souffrance sont bagaille qui capable pas paraître dans la vie nous? Est-ce que gagne youn qui ka gagne youn nous là qui capable dit que nous pas jamais souffrir depuis nous fait?
Si nous disons nous pas jamais souffrir depuis nous fait, nous disons c'est bien. Mais si nous réalisons que nous souffrons depuis nous fait, nous sommes capables de nous connecter avec l'expérience que Paul lui-même lui déjà parlé nous là. L'expérience que nous voyons Paul qui arrivait dans la ville. Il a mis des missions en prison pendant plusieurs fois. Il a battu, il a flagellé, flagellation. Il est arrivé dans une situation côté que la ville était en danger. En pile situation. Il est arrivé dans une situation côté que il voyait wash sous lui. Il est arrivé dans une situation côté que il sentit dans la mer côté que un bâtiment l'a chaviré. Il est arrivé dans une situation côté que dans la nuit ou la journée, il trouvait dans la mer qui trouvait. Il trouvait dans une situation côté que yo bat li avec poignet yo. Il arrivé dans situation côté que yo bat li avec parole. Mais tout bagay sa yo ki rive Paul, bagay sa yo lè ou rive nou pi ga nou senti nou découragé. Lè ou rive nou pi ga nou bat ba. Lè ou rive nou nan la vie nou pi ga nou di oh, comment faire c'est moi même bagay sa yo rive. Lè ou rive nou faut nous réaliser que gen en pile petit bon Dieu ça te gen arrivé dans la vie yo. So douleur, souffrance, c'est bagay ki humain. Douleur, souffrance rive dans la vie nou. Et nous ouais, dans ces situations côté que Paul te gen douleur nan cœur li, li mande bon Dieu trois fois pour bon Dieu retirer la situation ça. Trois fois mande bon Dieu pour bon Dieu retirer la situation douleur ça. So you see all the pain that we talk about that happened in our lives. Pain is human because pain, we realize that the Bible talk about it, that all the pain and suffering that Paul endured throughout his ministry. And we see that Paul in 2 Corinthians 12 verse 7, 8, 9 talk about God. Please, God, please stop. Stop this. Stop it. Stop it. In three different occasions, Paul pull out and ask God to stop. Please stop, God. Bring a miracle in my life. But the pain did not go away because we're not asking God to take the pain, the suffering, the trial, the tribulations away. If God will do that, we will never have a character. If God will put you in a situation where you have no will to exist, you will not have any character. I remember in the U.S. Army, there is a code of conduct. The code of conduct says that you will always, even though you're almost dead, you should always have the will to exist. And every time you have the will to exist as a U.S. soldier, we will come and we will come to rescue you. So if they kidnap you, for example, if anything happened to you, this is the code of conduct that we go by. And this is a code of conduct that I will ask every Christian to go by. The code of conduct is that you should always have the will to exist. You should always have the will to follow God, to follow Christ, regardless of the situation. And with that will, you will be rescued by God. If you give up on the first fight, you just give up. But if you continue to resist, if you continue to go further, if you continue to say there is hope, if you continue to say that you are serving a God that is bigger than the trials and the tribulations that you're going through, you will see the glory of God. So, you know, even Jesus knew pain. Even Jesus knew pain. You know, you remember Jesus weeping at the tomb of Lazarus. This is a painful situation for Jesus. Jesus, the great I am, the Almighty, weeping at the tomb of Lazarus. And Jesus weeping over the unrepented ones. The ones that know Jesus, but they refuse to repent of their sins.
Jesus is weeping over that. Jesus knew pain. The pain, the human pain, the physical agony at the cross, the personal pain of being betrayed. Being betrayed, you know, the physical pain of one day, a guy that used to be with Jesus, spend a lot of time with Jesus, that guy one day will deny Jesus. Jesus been there. And today, if you face betrayal in your life, we realize that Jesus have been through that pain before. If somebody betray you, remember that Jesus been there, and then use Jesus interaction, use Jesus experience, use Jesus response to the betrayal, and then you should be okay, because Jesus forgave when they betrayed him. Pain has a purpose. Pain has a purpose. The pain, the suffering that you're going through, there's a purpose for that. And you need to find that purpose in your life. You know, in Philippi, like Brother Junior in chapter 10, preach about in Philippi, Paul and Silas, they were beaten in public and taken away to prison. Now, we're talking about prison. It's like they put you in the ditch, in the hole that very deep. And, you know, they're covered. They put a light, and then that's all you can see. This is no joke. Paul went through this with Silas. This is a great pain. Pain has power. So the pain that you're going through, there's power behind it. And you can see that in the response that Paul was given. And that's where I'm going to get the message as we finish today. Jesus told Paul, and I believe in this in verse 10. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So in verse 10, we find the message today where we find the grace of God. What is grace? What is grace of God? The grace of God is something that we always say that we cannot see. The grace of God, we always say that is something that we can live. The grace of God is something that we experience every day, because that grace of God allowing us to continue to move on. The grace of God, that's something that's unmerited. The grace of God is not something I can give you $100 and then you give me something back in return. The grace of God, I cannot work for you and then you give me the grace of God. The grace of God is something unmerited. I don't deserve the grace of God because I'm a filthy liar. I'm a thief. I am a slanderer. I am whatever they call me. I am everything. So therefore, I don't deserve the grace of God. The grace of God is not for me because I am somebody that should be paying millions of dollars to receive it. What is the grace of God in your life? What have the grace of God been done in your life? Have you find the grace of God in your life? Have you find it? Have you seek the grace of God in your life? Because we read that the grace of God is sufficient. You know, Paul been asking God to remove the pain, to remove the tribulations, to remove everything that he was going through, to remove the trials, to remove the talking, the gossip, the lies, the allegations, the everything that you have. Paul said, God, remove those stuff from me.
But God responded to him, the grace is sufficient. What is sufficient? Sufficient is something that even small has power. Sufficient is something even big has power. Sufficient is just what you need. If for example, you are thirsty and you need some water, you need enough water to pass the thirst. So God is telling you, my grace is sufficient for you. My grace is enough. Have you find that in your life? Have you find that grace that is enough, that grace that can destroy the lies, the division, the fight, the inner fight into the families, everything that the Satan is bringing forward? Find that grace of God. Bon Dieu dit nous que nan mitan souffrance yo, nan mitan bataille yo, nan mitan tout problème que nous gagnons, faveur moi c'est ça qui est assez pour même. Faveur moi ça nous relie grâce la grâce bon Dieu. Grâce bon Dieu assez pour moi. Paul t'a crié, Paul t'a dit mes amis regardez dans situation, regardez tout problème moi passé, m'a fait travail bon Dieu, regardez tout problème qu'a privé m. Bon Dieu dit, hey, kembe ko, grâce moi assez pour vous. Mais qui ça gracié? Qui ça gracié? Combien kob moi ta capable ba aujourd'hui pour ka bon grâce mon Dieu? Est-ce que c'est bon $100 ka bon grâce mon Dieu? Combien travail moi ka fait pour aujourd'hui pour ka bon bon un petit grâce mon Dieu? Et bien c'est grâce ça qui c'est tellement gros, même l'autre a gain million dollars, même l'autre a travaillé 24 heures sur 24 pour dire au besoin grâce ça, pour grâce ça encore entrer dans même voir pas joindre. Mais c'est pour montrer au côté que bon Dieu lui-même c'est un bon Dieu parce qu'il est bon ou grâce ça gratis, c'est une grâce l'élan ou même pas gain bataille pour qu'on pas qu'à gagner, c'est une grâce l'élan ou même les Satan vini pour tuer, pour le détruire, pour lui faire tout ça le besoin fait pour le voler. Grâce ça qui n'a ou même nan, li déjà assez. Bon Dieu dit que grâce moins assez, c'est ça seulement besoin. Ça assez vrai dit. Assez vrai dit, il pas besoin, il était qu'à tout petit comme ça li assez. Assez vrai dit, li ka bien grand li assez. L'on besoin ti de l'eau pour boire, ou te ka boire un petit crasse d'eau tout petit li passe soif. Grâce bon Dieu. Grâce bon Dieu, c'est ça nous besoin dans la vie nous. Et c'est là message la sortie jeudi. Message la sortie dans 2 Corinthiens 12 verset 10. Côté que verset 9. Côté que dans verset 9 là, nous est que bon Dieu dit nous. Quelle que soit situation qu'on trouve dans la vie à Kounia. Quel que soit problème qu'on gagne côté que moun a parlé de ou. Côté que moun a bay menti sou, côté que moun a fait complot sou, quel que soit problème avec circonstance qui rive dans la vous, bon Dieu dit ou que grâce li assez pour vous. De pour capable gagner grâce bon Dieu dans la vous, pas gagner aucun autre bagaille qu'au besoin encore. Grâce bon Dieu ça qui une grâce qui vini gratis. Grâce mon Dieu ça si c'était pour l'argent Satan ta kembo pas ta jambe recevoir grâce ça c'est ça pour nous demander bon Dieu pour les bannir banou dans la vie nous chaque jour que bon Dieu moi dit que bon Dieu bénis nous parce que lui fait nous que grâce lui c'est une grâce qui pas jamais fini nous que grâce mon Dieu son grâce qui assez nous que grâce mon Dieu c'est pi gros âme que nous capable gagner dans la vie nous est que grâce mon Dieu son grâce qui déjà assez pour les chasser maladie pour les chasser tripotaille pour les chasser souffrance pour les chasser quelle que soit condition nous dans la vie nous
pour les chasser quelque soit circonstance nous y dans la vie nous, pour les chasser toute bagaille qui dans la vie nous. So jodia nous disons merci bon Dieu de ce qu'on fait nous ouais que grâce son grâce qui infinie, que grâce son grâce le nous gagne nous pas besoin de l'autre bagaille encore et nous disons merci bon Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh God Almighty, we thank you in the name of Jesus Christ for showing us that your grace. Your grace is enough for us. Your grace is a grace that we don't need to pay. Because if we will have to pay to receive your grace, we will never receive it. Because Satan will come forward, he will only give it to a few people. But your grace is unmerited, unearned. Your grace is free at a great price. Your grace is enough. Your grace is sufficient. Your grace is what we need to counter the enemy. Your grace is what we need to bring unity in ourselves. Your grace is what we need to destroy division. Your grace is what we need to destroy gossip, to destroy allegations, to destroy lies, to destroy anything that the enemy will bring forward in our lives. Your grace is what we need, and we thank you for provisioning that grace for every single one of us. For every single one of us, so that that we can use that powerful weapons in our lives every day and every day in the name of Jesus Christ. Amen. I became like a pastor that always say that it's 15 minutes and that 15 minutes take longer. I pray that you understand that I had to go through this with you to explain you about pain, to explain you about suffering, and to deliver the message to you in 2 Corinthians 9. In 2 Corinthians 9, give us the message about the grace of God. Thank you, Lord.
God, is enough for us. We thank you. Hallelujah. Amen. So today we talked about division. We talked about betrayal. And we also talked about pain. And if you didn't hear during the message, how do we overcome these things? These problems are big. These three problems are big in our life. But there's something that is bigger than those problems. Something sufficient. That's what was said, sufficient. Something that is bigger than the problems. And there was an example that Pastor gave that Jesus did. What is Jesus telling us to do? What example is he giving us to do? He's telling us to forgive them. To forgive them when somebody does bad to us, for us to forgive them. People that betrayed us, people that put us through pains, and people that have caused divisions within our families or churches or workplaces or schools or anything like that. So that's what we should do. Amen. So I'm just going to go ahead and close up the prayer, service with the prayer. Dear Heavenly Father, God, we come to you in the name of Jesus. We just thank you, God, for this day that you have blessed us with, Father God. I pray again, Father God, for all those people that are going through the sicknesses here at the church, Father God, and people that are going through sicknesses outside of the church, Father God, that you are there with them, Father God, and that you use us as a vessel, Father God, to go to them or to speak with them or to bring comfort within their lives. Jesus Christ, also, if there's anybody that we know or fits us ourselves that are causing divisions, betrayals, or any pains within anything in this life, Father God, you please forgive us for our sins, Father God. We are sinners, and we do fall short of the glory of the Lord, Father God. And I do pray that you renew a righteous spirit within us. In Jesus' name we pray. Amen.